salut à toutes et à tous, on est en direct de Buenos Aires et de l'Estadio Presidente Perón. Ici donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Maintenant on n'attend qu'une chose, que cette rencontre débute enfin. Manchester City face au Glasgow Rangers. Les minutes juste avant le match, c'est toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac. Con el 17, Gaya. Con el 16, Rodri. Jetons un œil sur la copro de Manchester City. Yannou Black qu'on retrouve dans le but. Emeric Laporte avec Stones en défense centrale. Bernardo Silva sera accompagné de Rodri au milieu. Et enfin, devant, c'est Gabriel Jesus. Con el 21, Raheem Sterling. Con el 11, Gabriel Jesus. Et con el 10, Jack Grealish. Voici les 11 titulaires de cette équipe. On retrouve dans le but Kevin Trapp, Mukiele avec Ginter en défense centrale. Enfin, Luis Muriel pour occuper l'attaque avec Lucas Hernandez. Le coup d'envoi de cette rencontre donné par Manchester City. Eriksen. Ça joue sur Fred. Luis Muriel. Il faut lui proposer des solutions là. Ah non, finalement le ballon est perdu. Nicolò Barella. Allez, pour Bernardo Silva. Ah là là, la faute, c'était une vraie occasion là. On va voir maintenant la sanction de l'arbitre. Et voilà un carton jaune distribué très tôt dans ce match. Le carton conditionne la suite du match. Il va falloir absolument maîtriser ses interventions. Danger est gardé. Sterling reçoit le ballon. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. On va en profiter là pour faire un focus sur Bernardo Silva avec le portugais. Le danger vient de part. Sa caractéristique principale, elle est invisible et pourtant elle est essentielle. Son football, son... Revenez au jeu, regardez. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Et la défense s'en sort. Cette fois non, c'est intercepté par les montants. Peut-être la prochaine, on verra bien. Un bon ballon à jouer pour profiter du couloir. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Oh, le tir de loin. Oh, la bonne parade. Allez, bien frappé ce corner. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Et Kevin Trapp qui s'empare du ballon.
Le ballon pour Sterling. Sterling repique dans l'axe. Juan Cancelo revient dans l'axe. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanéité, c'est bien, mais il faut aussi de l'efficacité. À la récupération du ballon, c'est bien fait. On voit une équipe de Manchester City qui maîtrise la possession depuis quelques temps. Et ce qui est intéressant, c'est que cette domination est en train de créer du danger. C'est la bonne attitude pour réussir à prendre l'avantage. Et pourquoi pas une nouvelle situation à venir. Quel gâchis, ce centre ne donne rien. C'est récupéré par l'adversaire. Bernardo Silva. Au but de balle de Gabriel Jesus. Attention pour mener au score peut-être. Et ça rentre. Voilà le premier but du match. La récompense pour une domination. Et c'est logique. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Le ballon pour Sterling. Le ballon pour Gabriel Jesus. Pour réflexe, mais le ballon est repoussé. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Cette parade est très importante parce qu'elle autorise son équipe à rêver à l'égalisation. Et voyons comment l'équipe va rebondir après cette parade. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Gabriel Jesus. Ça peut aller au but. Oh oui, but ! Et c'est le doublé ! Quelle classe ! Quelle réussite ! On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Brown. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Allez, c'est le moment là de se pencher sur la performance de Gabriel Jesus. Eh oui, quel joueur ! Il peut être au début, au milieu ou à la fin d'une action. Et il reste impliqué pour marquer des buts. Il est inspiré par les exactitudes.
Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Un peu d'excès d'engagement sur cette action, même si l'arbitre se contente de signaler la faute. Et il va falloir se contrôler un peu pour éviter le jaune à la prochaine. Attention à ce ballon dans la profondeur. Il y a un contre possible à jouer là. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Oui, la parade. Et ça joue dans un petit périmètre. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Ah, il y a un peu d'espace dans l'axe. Julian Brandt. Enmecha. Et c'est pour Çalhanoğlu. Oui, la belle incursion là. Bonne intervention pour empêcher le centre. Quelle action splendide! Elle partait très bien cette tête! Il fallait aller la chercher celle-là! Quelle magnifique parade! C'est un corner bien joué, bien frappé. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Ah, le porteur de ballon a besoin de solution. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Les stats nous montrent que la possession est pour Manchester City. Et même si la possession, ce n'est pas une fin en soi, on voit bien que cette équipe réussit à dominer son adversaire en le privant de ballon. Pas de ballon, pas de danger. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Et au final, ça ne donne rien. Sterling dans le couloir, il a un peu de liberté. C'est une transmission interceptée. Enmecha. Luis Muriel. Et la possession leur échappe. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Le ballon pour Luis Muriel. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Gabriel Jesus. Et ça joue sur Sterling. Les invitamos a quedarse para mostrarles nuestro cariño. Barella. Sterling. Récupération du ballon. Barella qui reçoit la balle. Et une bonne contre-attaque peut-être.
excellent tacle pour la récupération du ballon. Fred. Et ça joue avec Luis Muriel. Elle s'est captée sans souci par Oblak. Luis Muriel. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Gabriel Jesus. Le ballon pour Gabriel Jesus. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Luis Muriel. Ballon pour Fred. Çalhanoğlu. Ouais, le ballon est bien intercepté. Sterling. Attention, voilà un bon duel. Ouais, l'intervention éloigne le danger. Et ça y est, c'est donc terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. C'est une victoire pour Manchester City. On vient d'assister à un match quasiment parfait de leur part. À aucun moment on les a...